Signature ce mercredi de l'engagement éthique par les membres du gouvernement, une cérémonie qui marque la volonté et l'engagement du Premier ministre à accompagner le président de la République dans sa vision faisant de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption un passage obligé vers l'accomplissement de la révolution de la modernité. Le secrétaire général du gouvernement qui a présidé cette cérémonie a dans son mot indiqué que cette rencontre est d'une haute portée historique pour le pays. Ainsi donc, les membres du gouvernement ont exprimé par écrit leur engagement à observer le code de conduite de l'agent public de l'État. Et conformément aux instructions du Premier ministre, le secrétaire général du gouvernement Xavier Bonane-Yangazi a contresigné chacun de formulaires dûment remplis par les membres du gouvernement en tant que témoin. Pour rappel, le 3 octobre 2002, le chef de l'État a eu à signer le décret loi numéro 017/2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Un décret loi qui vise la poursuite des objectifs principaux, entre autres, moraliser la chose publique, et cela à tous les niveaux, préciser les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle, et aider l'agent public de l'État à respecter ces règles.